Alors, Charlie Chaplin, l'homme en caisse, c'est en effet le catalogue d'une exposition qui va se tenir à la Philharmonie de Paris à partir du 10-11 octobre cette année. Et donc, c'est le catalogue de l'exposition avec beaucoup plus de détails textuels, avec des articles écrits par plusieurs experts Chaplin, des gens qui font des recherches sur Chaplin et sur sa musique depuis des années et des années. Donc vous avez vraiment une expertise totale, illustrée avec beaucoup de choses qui sont dans l'exposition et quelques autres petites images en plus. Son art, même si c'était du cinéma muet, jusqu'au moment où le sonore a été inventé, il a pu mettre sa propre musique sur ses films. Le son et la musique faisaient une partie intégrale de son œuvre. Et c'est ça que l'exposition et le livre va expliquer, comment avec quels outils, comment Chaplin pensait la musique, comment il pensait ses mouvements en fonction des bruits, des effets sonores et de la musique. Donc j'espère que le livre va plaire, et puis c'est magnifique, c'est vraiment très très beau.